Notice, now Jesus invested with all the powers of God. But when he met Satan, he never used any of his powers. He only referred to the Word. He did. Remarquez, or, Jésus était investi de tous les pouvoirs de Dieu, mais, quand il a rencontré Satan, il n'a jamais utilisé aucun de ses pouvoirs. Il s'est reporté uniquement à la parole, effectivement. He said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then how can you say you can stay home and be just as good a Christian as you would be at church? You can't do it. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, comment pouvez-vous prétendre pouvoir rester chez vous et être un aussi bon chrétien que si vous veniez à l'église? Vous ne le pouvez pas. Read the Word. The Holy Spirit feeds on the Word. The Bible is God's spiritual diet for His church. And the Holy Spirit is the one who brings it to you and places it in the heart. And with thanksgiving you water it. Lisez la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. La Bible est le régime alimentaire spirituel prescrit par Dieu pour son Église. Et le Saint-Esprit est celui qui vous apporte cela et le place dans votre cœur. Et vous arrosez cela avec des actions de grâce. And every divine promise will produce just exactly what God said it would do. Amen. Got to, it's His word and it's life. Et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle ferait. Il le faut. C'est sa parole et elle est la vie.